Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai une chose que j'ai complètement oublié de faire, et je m'en excuse. J'ai atteint les 1000 abonnés il y a quelque temps. Je suis aux environs de 1040 actuellement. À monde, doucement. Et bien, je voulais tous vous remercier. Votre soutien est très important pour moi. C'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Plus j'approchais, plus je regardais, hein, au niveau du nombre d'abonnés. Et voilà, donc j'ai atteint les 1000 abonnés. Je suis ravie. Je vous remercie. Et j'espère que ma petite chaîne va continuer à grandir grâce à vous. Alors maintenant, on va commencer cette vidéo avec un nouveau produit pour moi. Oui, je suis très impatiente. Alors, ce nouveau produit, c'est la résine polyuréthane. Alors, je l'ai trouvé chez... Voyons, ça vient d'Italie. Je l'ai acheté sur Amazon. Voilà, je l'ai reçu, je suis contente. Comme un gosse. Bien. Donc, ça s'appelle E-White. Oh, le nom m'échappe. Oh là là, c'est pas possible. Il y a une paire de gants. Alors, j'ai pris un petit gabarit, hein, parce que, eh bien, je voulais pas prendre trop gros, parce que si ça ne me plaît pas d'utiliser ce produit, après, c'est gâcher du produit ou c'est faire pour faire, donc ça ne me va pas. Donc, je vais essayer cette résine. C'est donc de la résine polyuréthane. Elle sèche blanche et elle sèche vite. Moi qui suis lente comme une tortue, quoique c'est pas vrai, les tortues ne sont pas si lentes que ça. Enfin, je suis très lente parce que je réfléchis toujours, et puis si je prévois quelque chose et puis après je fais autre chose. Donc on va voir si c'est un produit pour moi ou pas. Alors j'ai ce petit moule qui vient de chez notre ami Temu. Une grande tentation, ce site. Donc je vais remplir certaines cases avec cette résine. Alors le mélange, c'est donc A plus B, et c'est 100 pour 110 en poids. Donc on mélange pendant 1 minute et pas 4 ou 5 pour les autres résines, et on verse dans le moule et on attend 30 minutes. Certaines, j'ai vu sur d'autres chaînes que certaines résines polyuréthane en 10 minutes c'est fait. Bon, là, moi c'est celle que j'ai trouvée. Il y en a chez Let's Résine, je crois que c'est Let's Résine qui fait une résine qui va très vite. En 10 minutes, elle est prête. Allez, je me prépare, je pèse mes deux composants, et puis ensuite on se retrouve parce que je vais mélanger devant vous et je vais verser tout de suite, évidemment, en essayant de ne pas faire de bêtises. Allez, je me prépare, à tout de suite. Voilà, j'ai pesé mes deux composants, alors le A qui est parfaitement clair et le B qui est légèrement blanc. Chez Let's Résine, par exemple, j'ai vu que leur résine polyuréthane est, elle, complètement transparente et on voit vraiment le séchage en blanc. Donc, je vais essayer de mettre quelque chose dedans, voir comment ça se passe. J'ai ces espèces de trucs là pour le nail art. Donc je vais voir si tout se passe bien. Voyons. Alors, je vais casser ces morceaux là, parce que, oups, ils sont un petit peu gros. Allez, là je vais mettre ça, tiens, dedans.
On va voir si ça marche. Je suis pas doué avec ces pinces, c'est un bonheur. Peut-être un autre petit morceau. Oh là, c'est pas facile à ouvrir. Hop. Non, ici. Voilà. Et puis maintenant, je vais ajouter mon composant A à mon composant B. Non, mon composant B à mon composant A. Ouh, c'est mal parti cette histoire. Allez, hop. Quand je fais de la résine époxy, généralement je verse pas dans deux contenants, mais là oui. Allez, maintenant on mixe. Alors c'est très fluide, hein, comme résine, et ça coule un peu comme de l'eau. Donc il préconise 1 minute, j'ai pas mis 2 minuteurs, on va faire ça un petit peu au pif. Je vais aller voir. Alors j'en ai fait très peu, hein. J'ai fait 20 g de A et 22 g de B. Voilà, allez, on va verser. Truc là. En tout cas, ça ne dégage pas d'odeur parce que, comme vous avez remarqué, je n'ai pas mis de masque. C'est pas bien. Apparemment, il n'y a pas de bulle. Bon, il m'en reste. Ah si, il y a une petite odeur un peu chimique quand même qui arrive. Je sais pas. Elle est déjà prise là-dessus. Oula, ça chauffe. Prochaine fois, promis, je mets un masque. Elle épaissit, elle épaissit, elle épaissit. Et alors, si on se dépêche pas, ça se transforme en une espèce de gel absolument inexploitable. C'est ce qui est en train de se produire. Oui. Et mon pot devient vraiment chaud. Vous voyez, regardez. J'espère que vous pouvez bien voir. Vous voyez cette espèce de gel là, gélatine. Oh là là. Bon, là, c'est fini. Je peux plus faire quoi que ce soit. Alors vous avez vu que ici, donc ça commence à blanchir. Blanchit vite. Hein. Je ne sais pas ce qu'il donnera là, le dernier, mais à mon avis, pas grand chose de terrible. Regardez ça, c'est très très épais. Voilà. Donc ici, c'est en train de prendre. Plus la surface, il me semble, hein, plus la surface est
petite, plus ça va vite, parce que là, ça met plus de temps quand même. Ici, donc, je vais vous laisser admirer la catalysation que je vais vous passer à vitesse plus élevée, bien sûr. Écoutez, ça fait même pas une demi-heure et comme vous pouvez voir, c'est prêt. C'est cuit. Alors je ne sais pas quelle température. Non, il donne rien, hein. 10 minutes de vie en pot et 30 minutes de maturation. Mais. Alors en italien, ils disent que la vie en pot est de 20 minutes. Je ne comprends pas bien. Bon, je ne parle pas italien en même temps. Donc, alors, c'est joli, ça brille. Ben, c'est une résine, en fait, une résine plastique. Hein. Ça fait exactement. Vous avez vu certainement brièvement quand j'ai enlevé la résine qui restait dans mon pot. C'est comme du plastique. Alors là, voyons, ça se coupe bien. Oh, ça se coupe super bien. Petit débordement qu'il peut y avoir. Trop bien. Bon, tout de suite, hein. Là, j'ai quelques bulles parce que là, ça commençait vraiment à prendre, j'ai l'impression, hein. Oui. Là aussi, alors. Bon, après, je vais vous donner mon sentiment sur cet essai. Pour les gens qui n'ont jamais utilisé ça, alors voyons celui-là. Hop. Là, j'ai des trous, hein. Normal, hein, parce que là, vous avez vu, c'était une espèce de gélatine très épaisse. Donc, bien sûr, ça n'allait pas vraiment. Alors, voyons, bon, là, j'ai noyé mon petit truc, là, mon petit crochet. Voyons si ça va, ça perce encore, c'est encore frais, donc ça va. J'ai pas un autre outil un peu plus approprié. Oh là là. Normalement, j'ai ça quelque part. Ah non, bon, il faudra que je ponce un peu. Alors, voyons. En tout cas, tout sort super bien. Et alors, comme je vous le dis, c'est hyper brillant. Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer la brillance. Oh là là. Petite cochonnerie dans mon moule. Bon, là, il y avait une paillette, pas grave. Voilà. Surface est complètement lisse, complètement. C'est un petit peu souple encore, donc je pense que la demi-heure est nécessaire. Est-ce que ça dépend de la température de la pièce? Et là, voyons, ah, bof. Ça, vous voyez, là où j'avais mis mes petits morceaux là, ben bof, hein,
Ça les a, hop, absorbés. Et puis ça fait une espèce de... Une espèce de peau, hein, dessus. Je sens que je vais me blesser. Bon, c'est pas la peine. Non, ça... Là, ça va pas. Bon. Alors, ma conclusion sur ce produit. La première chose, faut être rapide. Très rapide. Tout dépend de votre température aussi de pièce. Dans la mienne, même avec la clim, il fait pratiquement 25. Je pense que ça a accéléré les choses parce que j'ai pas eu une demi-heure de séchage. Hein. Il va falloir que j'affine pour l'inclusion de certaines choses. Est-ce que ça marche? Je vais regarder des vidéos d'autres personnes. Le résultat est super brillant, super lisse. Ouais, là je suis vraiment, je suis bluffé hein, par ce résultat aussi brillant. C'est très dur. Ça reste très très dur. Ah oui, je suis très étonné, excusez-moi, hein, je reste sans voix. Donc, faut être rapide. Votre mélange doit être parfait pour ce type de résine, je crois encore plus que pour la résine époxy. Pour la résine époxy, c'est déjà une priorité, mais alors là aussi, hein. Vous devez avoir tout prêt autour de vous. Les inclusions, à moins que ce soit lourd. Parce que ça, c'est léger, hein. Vous savez, ces trucs-là en coquille, le coquillage, enfin bref, pour mettre sur les ongles. Mais là, c'est donc très léger. Et je pense que la résine s'est infiltrée dessous, donc ça ne donne rien. Mais après, on peut les travailler sur le dessus. Je vous montrerai ça. Il faut être rapide. Rapide, c'est la seule chose qui me vient en tête. C'est terrible. Oh là là. Donc, si vous voulez faire des pièces, il faut que vous fassiez la quantité, juste que vous ayez toujours vos moules prêts, tout ce que vous voulez mettre dedans. J'ai pas mis de poudre pour colorer, mais je le ferai. Et travaillez par petite quantité, parce que plus vous mettez dans vos tasses, plus vous mettez de quantité, plus vite ça chauffe. Moi je vous dis, j'ai mis 20 et 22 grammes. 22, 20 grammes de A, 22 grammes de B. J'ai mélangé, ça faisait donc 42 grammes. Et ça a chauffé très vite. J'ai senti dans ma main que c'était chaud, ma tasse. Donc je pense qu'il faut vraiment faire de petites quantités, quitte à y revenir. Est-ce que ça laisse une marque? Ça aussi, j'essaierai. Est-ce que, voilà, si on fait, mettons, je sais pas, on veut faire un coaster complètement avec cette résine, est-ce que on aura la démarcation tout autour? Je ne sais pas. Mais vous pouvez, par exemple, faire un coaster avec de la résine classique ou de la gesmonite ou de l'écopour. Et ensuite, sur le dos, verser de la résine polyuréthane. Mais alors vraiment, je pense qu'il faut vraiment travailler par petite quantité. Parce qu'elle chauffe à une allure. Alors là, je suis restée assez bluffée. Et puis bon, quand elle se transforme en gel, hein, c'est mort. Hein. Quand vous voyez qu'elle est trop épaisse, ben en fait, voilà, ça fait des trous. Là aussi, là c'est voilà, ça a commencé à faire des trous à ce niveau-là. Celui-là, il est encore récupérable, mais celui-ci, ben, pas vraiment. Il a des marques de partout, là, il a des trucs de partout, c'est moche. Et même là, mon dernier petit rond, je vois bien le dos, il est, c'est juste, hein. Alors je l'ai trop rempli, mais bon. Ouais, il faut être
hyper rapide. Après, j'ai dans les premiers là que j'ai versé, j'ai pas de bulles. C'est génial ça. J'ai pas de bulles. De toute façon, une chose est sûre, vous n'avez pas le temps de faire la chasse aux bulles. Bon, voilà pour cette expérience. Je vous ferai peut-être aussi une courte vidéo. Je vais essayer de mettre quelque chose là sur ces pendants blancs parce que c'est moche hein, comme ça. Blanc. Tout blanc. Ça n'a aucun intérêt. Ah, je voulais vous montrer. Peut-être sur quelque chose de noir, vous verrez mieux. Oh, je sais pas. Je sais pas si vous voyez. Je vous prendrai une photo au jour pour que je vais vous mettre là. Je vais vous la mettre juste maintenant. Donc les quelques photos prises à l'extérieur, donc on voit bien la brillance. Enfin, sur les cœurs, ça se voit un peu plus que sur les petits ronds. Donc là, d'un peu plus près, vous voyez les bulles là avec ma résine qui était en train de se transformer en gélatine. Et là, le raté avec les extraits de coquillage, la résine est passée dessous. Voici donc pour ma petite expérience du jour avec un nouveau produit pour moi. J'espère que cela vous aura été utile. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Si vous avez des conseils, donnez-les-moi. N'hésitez surtout pas. On va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. Bye!